Si l'enfant à qui vous voulez offrir un cadeau adore les casse-têtes, alors vous faites bien de rester ici avec À toi de jouer, parce que je vais vous présenter Constellation de Smart Games, qui est un jeu qui se joue seul et qui est un véritable casse-tête. Le jeu est composé de 4 éléments que vous voyez ici en forme de L. Vous avez aussi 3 petits cubes l'un sur l'autre, 3 cubes qui ont été mis un petit peu différemment et puis 2 cubes qui sont agencés. Vous avez donc 4 modules, mais chaque module comporte 2 faces. Une face ici où on voit que les étoiles sont disposées de cette manière-ci, alors que de l'autre côté, les étoiles sont disposées d'une autre manière. Autre niveau de difficulté, c'est que les couleurs peuvent changer en fonction de l'orientation de votre module. Donc par exemple, ici, on voit qu'il y a 2 étoiles qui sont presque neutres parce qu'elles sont de la même couleur que les cubes. Si je les renverse ici, je découvre avec vous qu'elles sont tout simplement jaunes. Alors, c'est parti pour une petite explication brève du jeu. C'est donc un jeu de logique, c'est un jeu aussi d'orientation un petit peu dans l'espace. C'est un jeu en 3 dimensions qui se joue seul et qui a, comme on a l'habitude avec Smart Games, 4 niveaux de difficulté, le starter et à la fin, on peut aller jusqu'au master. Le but, c'est de créer des constellations. Une constellation, eh bien, c'est un ensemble d'étoiles. Et vous allez être challengé parce que de temps en temps, pour les niveaux faciles, on va vous demander de juste mettre 2 modules l'un à côté de l'autre avec telle et telle couleur. Mais plus vous allez augmenter votre niveau, plus vous allez devoir combiner des étoiles de couleurs différentes à des endroits différents et tout ça en plus en 3D pour peut-être vous retrouver avec des schémas comme ceci. J'en crée un sur place, mais ça vous donne un peu une idée. Voilà, on pourrait très bien arriver à ce genre de choses-là. Un mur d'étoiles et un mur de constellations. On pourrait aussi arriver à des modèles comme ça. Tout ceci est mis dans le petit carnet avec tous les défis que vous allez voir. Regardez, il y en a 80. Donc ici, par exemple, je sais que je dois aller sur une forme qui représente ceci et qui a 5 étoiles jaunes. Donc interdit les rouges, interdit les verts ou les bleus. Ça vous donne un peu une explication. On a aussi en mode beaucoup plus facile, ben voilà, un ensemble qui est plus ramassé, on va dire, où on va vous demander de trouver un rouge, un bleu et un vert à cet endroit exactement. Ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer avec ces 80 défis dans une seule boîte de constellations. Et puis, au-delà du fait que c'est effectivement très ludique et que vous allez passer votre temps agréablement, ça va travailler aussi tout votre esprit de logique, votre esprit d'adaptation, votre esprit d'observation dans l'espace, d'observation des éléments, de perspicacité, et puis un petit peu aussi votre esprit de rapidité, parce que finalement, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver rapidement des solutions pour passer au niveau supérieur. Constellation de chez Smart Games, c'est un jeu de logique magique avec des étoiles qui bougent de toutes les couleurs. C'est à partir de 6 ans, mais c'est aussi jusqu'à 99 ans. C'est un jeu qui se joue seul, mais on peut pourquoi pas se défier l'un après l'autre. Quant au temps de jeu, eh bien, ça va dépendre simplement de votre logique et de votre rapidité personnelle. Donc c'est un challenge contre vous-même et ça c'est pas mal aussi. Alors maintenant, c'est à toi de jouer.